moteur de combien de chevaux? 197 chevaux. C'est un 2 litres 4 cylindres, 197 chevaux. Tu vois? Ouais. Et donc tu as plusieurs modes de conduite. Ouais. T'as sport, confort. Ici on est en confort. Et puis on va mettre en sport. Hein? D'accord. Ouais. D'accord. 197 chevaux, 2 litres. Et c'est quel modèle? BMW Z4. De quelle année? 2021. Elle est d'avril 2021. Ouais. Elle a 5 mois et 6500 km. Tu vois, donc elle n'est pas encore, encore très débridée. Tu vois? Ouais. Et on va. Bon, allez, on va attaquer un peu le sport. Hein, ça va? Tu vois, le moteur change de. T'entends le bruit du moteur? Ouais. Donc là, je l'ai mis en moteur sport, tu vois. Et alors, tu as les palettes ici au volant, bien sûr, pour accélérer. Et freiner. Et freiner pour le moteur, hein, tu vois. Tu vois, tu changes, tu sens pas les changements de vitesse, hein? Non! Non, ça va. Moi je freine avec les palettes, hein, tu vois. Voilà, ici. Donc, si je veux encore être un peu plus rapide, je mets la. La boîte sport. La boîte sport. D'accord. Tu vois, là elle monte de régime encore. Ça va, t'es confortable? Oui, très confortable. Pas trop, t'as pas trop de courant d'air? Non, ça va. Allez, très bien. Alors, il y a le modèle au-dessus qui est un 3 litres 6 cylindres qui fait 340 chevaux. Et ça, au niveau des taxes, c'est très cher. Donc, ici, elle est en 2 litres. Largement. Vitesse automatique, tu vois? Oui. Je suis en 8e. Alors ici, elle va se remettre en. Elle va freiner d'elle-même parce que si je joue avec les palettes, mais si je fais ça, elle va réduire. Elle accélère bien en tout cas. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est moins puissant qu'une électrique, hein, que tu avais essayé la Tesla, hein, c'est ça que tu m'avais dit? Oui, oui. Ouais, ça, c'est encore plus rapide. Hein. Ici, elle est à. Bon, elle fait 6 secondes 5 pour 0 à 100, je crois. Mais la Tesla, c'est 4 secondes, hein, je crois. Ouais. C'est un petit bruit, hein? Oui. Tu vois, ils ont fait un petit bruit dans le moteur, là, tu vois. Ils changent la sonorité du corps parce que si je la mets en confort, tu vois. Va faire moins de bruit. Hein. Là, je vais la mettre en confort. Là. En confort, il n'y a rien qui se passe. Les suspensions plus douces, et alors ton volant en sport est plus dur, tu vois, ça durcit le volant aussi. Oui. Donc elle bouge moins aussi quand tu tournes, tu vois. Ici on est en... Ouais. On sent la différence. Ah bah tu sens, ouais. Hein. Et j'aime bien l'intérieur des portes. Elle est très...
queer comme ça. On aime bien. Oui, c'est couleur cognac. Pas le beurre, mais moi le lait. Ah ben moi je l'ai. Et ça c'est... bon, enfin, ça sent mauvais. C'est dépassé, mais... Ou bien on laisse partir, hein. Ouais. Ouais. Regarde comme il crache. Bon, oui. Regarde ça, il crache, je te le dis. Bon, j'ai parce que... Oui. Non, on va se faire un truc. Oui. Des cases vitesses ici. Oui. Les cases vitesses, tu vois, ici, il faut quand même regarder ça comme une crache bleue. Il faut que je fasse gaffe quand même, tu vois, aux cases vitesses, tu vois, je dois quasi m'arrêter, sinon. Ouais. Ça prend le capot, hein, tu vois. Bon, je vais attendre. Sinon, ça pollue. Oui. Oui, oui. C'est. Bon, moi, je prends de l'air quand même, on peut arriver un peu. T'as d'autres questions pour la voiture? Pour la technique ou quoi? T'as pas de. Tu vois, il y a. Bon, y a... J'ai pas le GPS, ça j'ai pas le GPS, mais j'ai tout, tu vois, c'est tactile, tu vois, j'ai tous des trucs tactiles. Ouais. Voilà. Et alors, c'est la vitesse, hein, donc la boîte de vitesse. Ah. Automatique, 8 rapports. Ah oui, rapports. ZF. Une des très bonnes boîtes de... BM. BM, oui. La boîte BMW qui est vraiment très très bonne. T'en es content? Ah ouais, bah une boîte automatique, tu vois, c'est facile. Hein. Tu vois, ici elle change toute seule. Regarde, tu vois, je suis. Oups. Regarde, avec le soleil qui se couche, c'est pas mal, hein? Ouais. BM est bien, tu consommes. Oh, ici je suis plus ou moins, ici j'aurais consommé plus parce qu'on a un peu tiré dans la voiture, mais sinon je suis à 8 litres, 8 litres 3 en mixte ville et tout ça. Ça consomme plus que, avant j'avais une diesel et consommait moins, mais bon, maintenant celles-ci ne la font pas en diesel, ils ne la font pas en essence. Moi je freine avec les palettes. Ça va, t'es pas trop secoué, non, ça va? Non. Des sièges, j'ai oublié de te dire, Martin, il y avait une petite. Ici à l'avant, à droite. Ouais.
mais pas encore trop dur. Pas trop dur, hein. Tu vois, je l'ai mis ici en confort, tu vois. Je l'ai mis en confort, tu vois. Ici, ouais. En confort, ici, en plaque. Potable, tu vois, il renforce les parties latérales pour la rigidité de la coque, hein, tu vois. Et donc, c'est une voiture qui est plus rigide. Hein. Et alors, tu as aussi... par rapport à une voiture normale, comme ils ont renforcé dans les portes pour les... parce que tu n'as pas de toit, si tu vois, donc tu n'as pas la rigidité de la voiture par le toit. Donc ils renforcent les parties ici des portes, et donc ça fait que ça bouge un peu plus. Oui. Ça veut dire que ça, tu as du poids en plus aussi, tu vois, ça pèse plus lourd, hein, tu vois. Donc une décapotable en général pèse en général 200 kg en plus. Que le modèle 150-200 kg en plus que le modèle classique, parce qu'ils doivent renforcer avec tous des parties latérales. Et en plus sur les pavés. Ah oui, non, ça, écoute, ça j'évite, hein, parce que les pavés, c'est des gens de 18 pouces et donc dans les pavés, ça bouge. Hein. C'est parce qu'il y a eu beau, hein. Oui. Ça, il faut un 4x4 ou une voiture plus haute, mais on n'est pas arrivé. Et pas ça. C'est pas gay. Hein. Tu vois, ici, les 4 vitesses, chaque fois, je suis prudent, hein, parce que sinon. Parce que tu sinon. Si je m'arrête un. Tu vois, comme ça. Bang. Tu vois. Ouais. Ça claque, hein. Ça ne pas. La décapotable. La bon, décapotable. Ça, tu vois, regarde ça, hein. Moi je l'utilise beaucoup, tu sais, quand il fait comme ça, tu vois. J'adore rouler le soir en décapotable, comme ça t'as pas trop de soleil. Et ça c'est gay parce que tu fais... il fait bon, tu vois, il fait 13 degrés, mais t'as pas froid, hein. Tu mets le chauffage à 20 degrés. Non, c'est vrai. Et alors t'as des couchers de soleil. Non, moi j'adore. Par contre, tu vois, si tu roules... Et là-bas, quand je vois les nuages, tu vois, à mon avis, ça pourrait pleuvoir demain ou quoi. Si toi, tu roules sur l'autoroute et que tu dois, s'il pleut par exemple, que tu dois recapoter, tu sais le faire jusqu'à 50 km/h. Mais si tu es sur l'autoroute à 120 km/h, tu sais plus recapoter, donc tu sois tout appuyé sur toi, tu vois. Donc, tu dois t'arrêter alors. Désormais m'est arrivé encore. Si. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Tu l'as épaulé moi, hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il crachait lui? Oui. Non, ce qui est sûr, c'est pas évident pour sortir. Petit tour en BMW Z4. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.